Et oui, on peut assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas, ça c'est un gros mythe. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le froid. Je me gèle, mais plus pour longtemps parce que ça y est, on a pris nos billets. Dans quelques jours, c'est retour à Miami. Nolan a enfin reçu son passeport américain, donc on va pouvoir repartir au chaud. Parce que là, j'avoue, j'en peux plus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un hiver ici en France. Et c'est vrai qu'on n'a plus vraiment l'habitude. Donc là, vraiment, vraiment très hâte et surtout vraiment hâte de vous partager aussi le retour. Et puis, bien sûr, l'entraînement dans les salles américaines et le retour à Elevation Fitness notamment. Donc vraiment, vraiment très, très hâte de vous partager tout ça. Et en attendant, on poursuit notre petit balade matinale avec Angie, c'est notre petit rituel, et après ça sera le petit déj et puis le training sur la Titax. On va faire un training cuisse malgré le froid, parce que c'est vrai que j'ai pas de chauffage d'appoint dans la Titax, étant donné que généralement on vient jamais en hiver, donc du coup j'en avais pas l'utilité. Et puis voilà, ça sera un des derniers trainings sur la Titax avant quelques temps, donc on va en profiter. Allez, on se retrouve plus tard les amis. Ça y est, le petit déj est prêt les amis. Donc là, j'ai deux tartines sur lesquelles je mets ici mon... C'est du beurre d'amande, purée d'amande aux noix de pécan caramélisées. Donc là, franchement, c'est de la tuerie celui-là. Hop. Et sur la dernière, je mettrai une cuillère ici de miel. Hop. Et là, j'ai mes 200 g de blanc d'œuf liquide. Et donc là, sur ce repas, avec le petit kiwi aussi, j'ai oublié. Sur ce repas, je suis à peine à 500 calories. Donc franchement, ça fait quand même un bon gros petit déjeuner pour pas non plus une énorme quantité calorique. Donc c'est vraiment pas mal, mais pour moi, c'est largement suffisant. De toute façon, je me rattrape ensuite le reste de la journée. Et je veux pas dépasser les 3000 calories du coup à la journée, donc on est au top. Et puis là, hop, j'ai mes oméga-3 ici, mes Multimen 35+. Et là, j'ai rajouté en ce moment des extraits d'ashwagandha. Donc ça, c'est pour justement limiter le cortisol et puis aider un petit peu au sommeil, parce qu'en ce moment, les nuits sont un petit peu compliquées. D'ailleurs, vous entendez le petit bout là-bas. Donc on va s'apprêter à le changer. Et puis voilà, on va manger tout ça. Après, on va s'occuper un petit peu du petit. Petit déjeuner fini, donc c'est vrai, vous allez me dire 500 calories pour mon gabarit, pour le petit déj, c'est pas beaucoup, mais en même temps je m'entraîne généralement une heure à une heure et demie après, et j'aime pas me sentir lourd, ballonné pendant mon entraînement, donc j'ai envie de quelque chose qui se digère assez vite aussi. Par expérience, avec des petits déjeuners qui dépassent les 700-800 calories, après je peux plus m'entraîner parce que bah, forcément mon organisme dépense beaucoup d'énergie pour la digestion. Donc pour moi, j'ai trouvé que ça me convenait très bien et je préfère manger plus après mon entraînement et le reste de la journée notamment que voilà, pour le petit déjeuner. Et aussi, je sais qu'il y en a qui vont me demander pourquoi je mange du coup que les blancs d'œufs, donc en blanc d'œuf liquide et pas des œufs entiers, parce que les œufs c'est super bon, ça je l'ai tout le temps. Plein de fois dans les commentaires, et effectivement les œufs entiers, même avec le jaune, c'est très bon, mais le problème c'est que ça fait beaucoup de lipides, et forcément je vais exploser mon quota de lipides si jamais je mange tous les œufs. Donc 6 œufs, ça fait plus de 40 à 50 grammes de lipides, et étant donné que dans ma journée j'en ai dans les 70, bah, j'aurais quasiment explosé mon quota de lipides, du moins juste avec un seul repas. Et du coup non, je préfère largement manger un petit peu de beurre d'amande là, comme j'ai eu purée d'amande, et puis manger par exemple le soir un saumon ou un truc comme ça, que de me focaliser et d'avoir tout mon quota de lipides dans les œufs. Donc voilà, tout simplement. Bon,
Bon allez, c'est bon, aujourd'hui ce sera training du coup sur la Titax, un de mes derniers trainings, donc je vais en profiter, dernier training sur la Titax avant de repartir à Miami évidemment. Puis là on a un beau soleil, même s'il fait super froid, c'est pas grave, allez let's go. Ça me rappelle un petit peu les trainings que je faisais à l'époque où je m'entraînais dans le garage de mes grands-parents quand j'avais 18-20 ans là, où il faisait moins de 2 degrés, j'avais aussi le bonnet, les gants et tout ça. Évidemment, j'avais pas la Titax, mais voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de meilleur moment pour s'entraîner de toute façon. Donc c'est parti, on va commencer par les ischios parce que c'est mon point faible, donc hop, let's go. C'est vrai qu'on a toujours tendance à, dans les programmes d'entraînement, je vois souvent qu'on termine par les ischios à la fin et puis on se demande pourquoi finalement on est déséquilibré, qu'on a des gros quadriceps et des ischios tout petits. Et puis bah, ça peut finalement aussi avoir un impact sur notre posture quotidienne, du coup avec des quadriceps qui sont surdéveloppés, qui tirent vraiment, du coup on a tendance à être penché en avant sur notre posture, à être mal équilibré. Et bah, du coup voilà, quand on est dans ce cas-là, il vaut mieux commencer par son point faible, donc les ischios. Allez, donc là, je viens d'installer ici cette option donc, sur la Titax. Et là, je vais faire une sorte de power squat. Donc, c'est un peu entre le hack squat et puis le V squat que vous trouvez aussi en salle. Sauf que je vais faire deux mouvements. Je vais faire un mouvement donc, de squat normal. Je vais y aller vraiment doucement. Je ne vais pas mettre trop lourd. Je vais le faire en tension continue et lentement pour ne pas me faire mal au dos. Et je vais l'enchaîner aussi avec un good morning, du coup, sur la même machine pour cibler vraiment les ischios, les fessiers. Pareil, je vais le faire très lentement et puis en pic contraction, c'est-à-dire que je vais marquer un temps d'arrêt de contraction de 2 secondes au moins en fin de mouvement. Et je vais l'enchaîner aussi avec les mollets debout. Donc c'est parti, je ne mets pas trop lourd. Allez, prochain exercice, là je viens d'installer le hack squat ici. Celui-là franchement j'ai super sensation. Donc là après je peux tout régler avec cette machine, c'est vrai que c'est vraiment un truc de fou. Si je veux je peux mettre aussi les pieds bien plus haut, mais j'ai remarqué que là avec les pieds un peu plus bas j'ai de meilleures sensations, un meilleur étirement au niveau des quadriceps. Donc franchement c'est vraiment le top, je peux même les resserrer, les écarter un peu plus. Ils ont même pensé à tout ici pour rebloquer le cadre vers le haut. Enfin franchement c'est vraiment bien pensé. Allez, prochain exercice, j'installe ici le belt squat. Ça, c'est une de mes machines préférées en salle et je l'ai à la maison. Alors, du coup, l'avantage du belt squat, c'est quoi? Bah, c'est que j'ai pas de charge sur le dos en fait. Parce que là, la charge, elle est ici au niveau du bassin. Donc j'ai rien sur les épaules, du coup j'ai pas de compression au niveau lombaire et dans tout le dos. Donc franchement celui-là pour moi c'est l'idéal et pour tous ceux qui ont des soucis justement de dos ou d'hernie discale, c'est top parce qu'il n'y a pas vraiment de compression. Allez, je vais enchaîner par un superset ici, donc je vais enchaîner leg extension unilatérale avec leg curl debout unilatéral. Donc pour le leg curl, j'ai une autre possibilité où je pourrais le faire un peu mieux, du leg curl assis ou autre, mais c'est un petit peu plus compliqué pour installer tout. Donc pour que je puisse enchaîner les deux, je vais le faire comme ça, vous allez voir. Donc hop, je me place ici pour le leg extension. Allez, un petit dernier pour la route. Celui-là, je déteste les fentes parce que c'est le plus dur. Bon, séance finie les amis. Donc là, hop, cette fois-ci, en ce moment, je prends
ici le Pro CGT. Donc c'est quoi? D'habitude je prends la créatine et la glutamine séparément, ben là en fait il y a tout dedans. Il y a déjà la créatine, il y a 3 grammes de créatine dedans, il y a 5 grammes de glutamine et 1 gramme de taurine. Donc du coup bah ben, finalement ça m'évite d'avoir plusieurs pots. Et effectivement il y a de la taurine en plus. Donc la taurine ça sert à quoi? En fait il y a plein d'effets bénéfiques sur la taurine. Il y a eu des études aussi qui ont montré que ça permettait justement pour tout ce qui était hyper tendu, qui avait de l'hypertension, ça pouvait diminuer la tension notamment. Mais là c'est pas l'effet recherché ici après l'entraînement, c'est qu'en fait elle va agir un peu en synergie avec la créatine et la glutamine pour améliorer la capacité des nutriments à pénétrer dans les cellules musculaires et donc une meilleure récupération. Donc voilà, c'est assez intéressant. Du coup au moins il y a tout en un, c'est pratique. En commandant sur Prozis avec mon code JulienQ10, non seulement vous avez moins 10% sur toutes vos commandes, et en plus de ça vous avez des cadeaux offerts que je choisis chaque mois et qui changent. Et en plus de ça aussi, j'offre à l'un d'entre vous 150€ de bon d'achat Prozis. Donc il suffit de commander avec mon code JulienQ10 pour avoir une chance de participer et de gagner justement ces 150€ de bon d'achat chaque mois. Hop, allez, on prend ça. Et puis d'ici 30 minutes à peu près, je vais manger mon repas solide. Donc là, c'était mon dernier training cuisse sur la Titax. Donc avant un petit moment, parce que je pense qu'on ne reviendra pas avant cet été. Donc là, je vais ensuite la fermer pour un petit bout de temps. Donc c'était cool quand même de m'entraîner sur la Titax tout ce temps. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même retourner en salle. Et là, j'ai vraiment très hâte de retourner à Elevation Fitness. Surtout, là, ça fait trop longtemps. J'ai hâte de revoir aussi cette ambiance finalement. Il y a tous les bodybuilders pros qui s'entraînent là-bas, d'influenceurs fitness aussi, youtubeurs, etc. Donc ça donne une ambiance en fait, ou qui nous donne envie de nous dépasser tous les jours. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même super motivant. Et puis voilà, Miami, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Ça fait malgré tout 11 ans qu'on y vit. On a tous nos amis là-bas, donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi on retournait là-bas. Ben, en fait c'est un peu toute notre vie quoi, qui est là-bas depuis 11 ans, donc voilà, on en a besoin aussi pour vivre tout simplement, pour nous sentir vivre, pour notre énergie, pour retrouver nos amis, notre cercle d'amis et puis nos habitudes. Et puis on veut faire découvrir à Nolan un peu tout ça aussi évidemment. Allez, on arrive du coup au repas du midi, enfin plutôt une heure donc après l'entraînement. Donc ici je commence par des pâtes aux lentilles rouges ici, donc là je les trouve sur Prozis, donc c'est beaucoup plus protéiné que des pâtes classiques on va dire. Ici je fais chauffer un mélange de légumes variés. Ici j'ai des burgers de poulet ici, donc là je vais les faire cuire à l'air fryer. Donc ça c'est nouveau aussi, c'est pareil hein. Je viens de les trouver sur Prozis et c'est vrai que des burgers de poulet ou de dinde on en trouve pas partout, surtout hachés, j'en trouve nulle part. Donc ceux-là ils arrivent congelés en fait, ils arrivent surgelés quand vous les commandez sur Prozis. Donc hop là, ça nous fait deux burgers ici, donc 200 grammes. Et voilà ce que ça donne les amis. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mes deux burgers ici, deux poulets. Ici, j'ai mes pâtes aux lentilles rouges et ici, j'ai mes légumes avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc là, en tout, je suis environ à 680 calories, donc quand même un gros repas. Et j'ai carrément 70 grammes de protéines. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ici, pour 300 grammes de pâtes aux lentilles rouges, 23 grammes de protéines. Et là aussi, pour mes burgers, j'ai quasiment 45 grammes de protéines. Donc ça monte assez vite. Et oui, on peut assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas. Ça, c'est un gros mythe, mais je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Là, je vais rajouter un petit peu de sauce barbecue zéro ici et en avant, on va manger tout ça. Allez, bon app. Bon allez, on se retrouve pour l'encas de l'après-midi. Donc là, je me fais un gainer maison, donc avec ici boisson de riz, hop, donc pour les calories, hop. Dedans, je vais mettre, hop, 30 grammes ici de whey native. Et ensuite, je vais me mettre ici 70 grammes de crème de riz instant. Donc la crème de riz instant, c'est génial parce qu'il y a très très peu de lipides. Donc il y en a beaucoup moins que dans la poudre d'avoine. Il y en a un qui veut parler. Je me dépêche. C'est ça aussi, c'est du sport parce que du coup, on fait les choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Et plus de temps à perdre. Et là, ensuite, ici, ma demi-banane qui est encore largement trop mûre, que je mets ici. Et je vais mixer tout ça. Bon, je suis obligé de faire plusieurs choses à la fois maintenant, j'ai plus le choix. Donc là, je suis à 650 calories quand même pour ce gainer. Donc rien que là-dedans, il y a plus de calories que dans mon petit déjeuner de ce matin. Donc rendez-vous compte. Donc là, je mets pas plus de 650 calories parce que pour moi, c'est largement suffisant. Mais pour ceux qui ont vraiment beaucoup de mal à prendre du poids, vous pouvez rajouter du beurre de cacahuète ou même plus de crème de riz. Mettez 100 ou 120 grammes. Moi, 70, ça me suffit largement. Vous sentez que c'est très consistant.
Et donc ça me cale tout l'après-midi. Donc là, en ce moment, c'est plus rapide. Et comme j'ai beaucoup moins de temps à perdre, on va dire, du coup, je fais les choses plus rapidement, plus efficacement. Donc là, c'est parfait pour mon encas de l'après-midi. Et on se retrouve pour le repas de ce soir. Et voilà le repas du soir. C'est mon plus gros repas, comme vous pouvez le voir. C'est le plus copieux et c'est aussi le plus calorique. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut manger des glucides le soir sans forcément grossir. C'est le total calorique à la journée qui compte. Donc là, comme vous voyez, j'ai quand même beaucoup en termes de quantité. J'ai 500 g de pommes de terre ici. J'ai 200 g de brocoli et j'ai 150 g ici de filet mignon de steak. Et là, un tout petit peu aussi de sauce barbecue zéro. Donc environ 850 calories donc, sur ce repas. Donc pourquoi je mange beaucoup la veille? Tout simplement, je m'entraîne le lendemain matin et que j'ai besoin d'énergie pour le matin. Et j'aime pas manger beaucoup le matin. Quand vous avez vu, mon petit déjeuner n'est pas trop copieux, c'est dans les 500 calories. Donc du coup, je garde des réserves le soir finalement, la veille au soir. Et comme ça, au final, j'ai largement le temps de digérer. Donc voilà, les glucides le soir ne font pas grossir. Et puis là aussi, en ce qui concerne les pommes de terre, il y en a qui vont me dire c'est index glycémique élevé, etc. Il vaut mieux des patates douces. Alors oui, peut-être que si on les mangeait séparément, ça serait intéressant. Mais vu qu'on ne les mange jamais séparément, l'index glycémique du repas complet finalement redescend. Donc ce n'est pas un seul index glycémique que des pommes de terre qu'il faut prendre en compte, c'est l'index glycémique de tout le repas. Et avec les protéines ici, avec aussi la cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai rajoutée, donc les lipides, etc., ça redescend l'index glycémique. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même malgré tout secondaire par rapport au nombre de calories et aux macros du coup de la journée. Donc on va finir tout ça et ensuite j'aurai quand même un dernier petit encas avant le coucher. Je vous montre ça après. Et voilà mon encas du coucher, donc c'est ce gros bol ici. Donc là, j'ai 200 g de skyr dedans, 0%. Mais avant, j'avais fait chauffer au micro-ondes quelques grammes, du coup 100 g de myrtille, 30 secondes pour qu'elle soit moins gelée tout simplement. Donc c'est beaucoup mieux avec un petit peu de stevia. Et puis dessus, j'ai rajouté du coup des protéines puffies. Donc ça, c'est en fait des petites boules de protéines enrobées de chocolat. Et donc ça, c'est vraiment super bon. Ça, on mélange tout après. Vous voyez là, les myrtilles, elles sont du coup décongelées. Elles sont encore un peu fraîches malgré tout et donc ça donne un super goût. Ça me fait mon petit dessert à la fois un petit peu sucré, un petit peu salé. À peine 300 calories. Donc c'est pas énorme. Ce qui me fait sur la journée un tout petit peu moins de 3000 calories. Et donc en termes de protéines, je suis à 226 g de protéines, je suis à 87 g de lipides et à 340 g de glucides. Donc c'est pour moi une journée de maintien. 3000 calories, c'est pas énorme pour mon poids de 95 kg, mais après il faut prendre en compte aussi mon âge, donc bientôt 42 ans cette année, et puis mon mode de vie, et puis bref, mon métabolisme, etc. Donc ça, évidemment, pour certains, 3000 calories, ça sera une prise de masse, pour d'autres, ça sera une sèche, donc voilà, on est tous différents pour ça en tout cas. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu une journée en gros de maintien que je fais en ce moment. Après, évidemment, je varie hein, les repas, je reste jamais sur la même chose, mais je reste toujours quasiment sur les mêmes macros et calories. Et aussi, comme j'avais oublié tout à l'heure de prendre mes oméga 3, donc là je les prends aussi le soir avant de me coucher, mon extrait d'ashwagandha et puis mon ZMB6 aussi avant de coucher. Hop. Donc ça, c'est pour réguler un petit peu. Donc des taux d'hormones notamment, pas mal aussi pour l'immunité. Bref, la ashwagandha aussi, je vous en ai déjà parlé, ça c'est pour diminuer le cortisol, pour mieux dormir aussi, donc super intéressant. Et ouais les amis, la prochaine vidéo, ça va être à Miami, parce que ça y est, c'est le grand retour. Donc là, fini le froid, on a regardé les températures, c'est 26-28 degrés, c'est ça. Donc ça va nous faire une sacrée différence, mais alors là, on a trop hâte. Mais vous imaginez pas ces derniers jours comment on court de partout
pour les préparatifs et tout ça. Donc voilà, en tout cas, on a trouvé un super truc dont on vous parlera plus tard quand on arrivera, mais je pense que vous allez bien, bien kiffer, nous aussi d'ailleurs, et on va reprendre plaisir à faire de nouvelles vidéos là-bas parce que ça nous avait vraiment trop manqué. Donc ça sera la dernière vidéo là, ici en France. Donc là, la semaine prochaine, vous allez avoir les premières vidéos de Miami qui reprennent. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que là, ça y est, c'est reparti, le rêve américain à bloc et on va envoyer du contenu lourd, lourd, lourd. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like aussi, partager un maximum et on se retrouve à Miami pour de nouvelles vidéos, une nouvelle année qui commence. Bye bye.